Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces beaux résultats de ce soir? Nous sommes effectivement très heureux. D'abord, nous voulons féliciter bien sûr notre candidate Marine qui a été parfaite pendant toute cette campagne, qui a très bien travaillé, qui a vraiment métamorphosé depuis 2017. Donc nous avons toute confiance en elle. Et il est vrai que pour la première fois, nous avons une réserve de voix assez importante, de sorte que le deuxième tour n'est pas joué pour M. Macron. Sur le terrain, vous allez devoir faire quoi pour convaincre? À partir de demain, nous sommes dans le quart floqué à son effigie. Et pendant 3 jours, nous allons circuler dans l'agglomération, nous allons aller voir les gens partout, dans les petites villes, faire les marchés. Et nous allons distribuer le programme, discuter encore avec les gens, essayer de les convaincre. Nous savons que chez Mme Pécresse, il y a des personnes qui suivront peut-être les consignes qui sont données, mais d'autres qui ne le feront pas. Chez M. Mélenchon, exactement la même chose. Chez M. Dupont-Aignan et chez M. Zemmour. Vive la victoire, on va l'avoir. On va gagner. Oui. Merci.